cette vidéo s'adresse exclusivement aux formateurs de couverture. Elle permet de réaliser à l'atelier le support de couverture correspondant à la maquette papier au vent en ardoise du livre 1 de maquette, en précisant l'avancement et les dimensions pour la mise en œuvre de ce support à l'échelle. Vous devez disposer d'un support existant en panneau bois ou volige sur une pente idéalement proche de 45 degrés. Préparez les matériaux suivants. 8 litos de 80 cm, 1 litho de 130 cm, une volige de 130, une volige de 90. Des pointes de 45, ce sont des pointes pas trop longues pour permettre un démontage facile de la maquette en fin d'ouvrage. Attention, il faudra utiliser des ardoises 30-20 posées au crochet de 10 pour que votre ouvrage d'atelier corresponde exactement à la maquette papier. Mais bon, c'est l'intérêt. Tracez un rectangle de 128 par 80. Tracez les emplacements des contre-litos qui remplaceront les chevrons. Clouez 6 contre-litos. Pensez à ajouter le litho de rive. Fixez une volige en tête pour remplacer le mur en ajoutant un litho derrière la volige. Clouez une volige sur le côté, toujours pour remplacer le mur de côté. Et vous pouvez également ajouter un litho pour coincer la volige. Dessin en bonus. Vous pouvez faire une impression écran ou une capture d'écran pour ensuite photocopier le document pour vos apprenants. Je prévois le même type de vidéo pour les 7 maquettes suivantes. Si j'ai suffisamment de demandes de la part des formateurs. Bon courage !